1 Samuel 8. Frère Paul, la lumière ici ne s'allume pas. Je ne sais pas si on a encore bougé ou pas. Le parler. Donc, frère Paul, le concierge, je ne sais pas s'il est là. 1 Samuel. Chapitre 8 et les versets 19 à 20. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Amen. Amen. Prenons encore Deutéronome 18. Deutéronome 18, le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, ce matin encore, nous nous réjouissons dans nos cœurs de nous avoir accordé cette occasion d'être dans ta maison et d'écouter ta parole. Nous savons, Père éternel, que nous sommes des hommes. Avec ce que nous avons appris à l'école, nous pouvons lire. Mais nous voulons, Père éternel, que le Saint-Esprit descende et qu'il interprète cette écriture pour nous. Ouin, Père éternel, l'entendement de tes enfants. Ouin, le serviteur par lequel tu vas nous parler encore. Et ouin, toute la congrégation. Même ceux qui sont venus pour la première fois, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux et qu'ils voient, Père éternel. Amen. Nous croyons que c'est toi qui attires et que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous asseoir. Je vous avais dit que je voulais apporter quelques enseignements. Peut-être avant la fin de cette année ici, j'avais à cœur apporter cela. Frère Claude, que Dieu te bénisse. Ça va? Je t'ai cherché l'autre jour, tu n'étais pas le dimanche. Je crois que c'est une bonne chose. Le dimanche, si vous ne travaillez pas, je parle à tout le monde, hein? Ça me vient là. Soyez là. Amen. C'est très, très important. Frère Branham dit, le dimanche, et vous devrez au moins honorer les jours de l'Éternel. Amen. 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 Et votre pasteur, c'est Branham qui dit ça. Amen. Amen. Veut vous voir là, à votre poste de quoi? De devoir. C'est très important. À moins et que vous n'avez pas une église. Et pour les visiteurs, nous aussi, nous accueillons tout le monde. Si Dieu vous attire, si vous pensez que vous pouvez être là, venez avec nous. Mais si vous avez une église déjà choisie, soyez à votre église. Dites amen à ça. Amen. Un membre d'église n'est pas dispersé à gauche, à droite. Vous devez avoir un endroit où vous appelez votre église. Amen. Quand vous l'avez choisi, soyez à votre poste de devoir. Si votre pasteur est content de vous, qui connaît la suite? Dieu aussi sera content de vous. Amen. Amen. Donc, soyez là. Alors, ici, là où nous venons de lire ici, c'est un enseignement que nous allons avoir, une série sur l'adoption. Amen. Amen. Sur l'adoption.
Et nous allons découvrir, frère Branham dit, il s'agit du positionnement de l'Église. Il s'agit de positionner l'Église, de positionner les gens, de savoir où ils en sont avec leur Dieu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Donc c'est très très important. Je le répète, si vous êtes là dans la ville, quand nous avons des choses comme ça, des réunions comme celle-là, venez. Amen. Soyez là. Et c'est pour notre bien. Et invitez même des nouveaux, des gens qui n'ont jamais entendu ces messages, qui ne sont pas au courant que Jésus-Christ est vivant. Amen. Invitez-les. Frère Branham dit qu'il y a une récompense de l'autre côté. Savez-vous cela? Quelqu'un qui amène, quelqu'un par toi, par ton trichement, et que l'homme arrive à venir à l'autel et qu'il accepte Jésus-Christ, tu as une grande récompense de la part de Dieu. Amen. Une multitude de péchés te sont pardonnés. Amen. Vous savez cela? Amen. Et si c'est un enfant de Dieu, donc une grande récompense t'est réservée. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, c'est très important. S'il s'agira donc d'un enseignement, c'est une série de l'adoption. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec le roi rejeté. Amen. 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 Alors, frère Madame nous parle. J'ai donc, si vous avez ça, vous pouvez aller lire à la maison. C'est très, très important. Parce que quand nous terminons ceci, alors vous comprendrez, amen, quelle est votre position. Je le disais encore vendredi ou dimanche passé. Pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui est normal, donc la première des choses à savoir pour un fils de Dieu, c'est de savoir qui vous êtes, votre identité. Amen. Donc, vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Mais quand vous connaissez votre position de ce que vous êtes, le diable ne peut pas blaguer avec vous. Amen. Amen. Le diable ne jouera pas avec vous. Pourquoi le diable joue avec des gens? Parce que vous ne connaissez pas votre position. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons l'autorité de marcher sur le scorpion et sur la spique. C'est ça l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants. Nous sommes des petits dieux. Mais si tu ne connais pas ta position, alors le diable va jouer de toi. Ah, regarde, hier tu as encore fait ceci. Regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que tu as fait là. Et avec ça, tu t'écroules. C'est comme ce que la Bible nous montre que quand un enfant est dans une maison de ses parents, le serviteur devient même son chef. Vous savez cela? Donc, boy, le serviteur qui travaille pour toi. Mais comme tu es encore enfant, il peut même te punir qu'aujourd'hui tu ne vas pas manger. Mais dans ta propre maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il te dit, dans le coin, parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il te prend, il te met dans un coin. Il te prive même à manger. Il y a des symboles même qui tapent les enfants. Dernièrement, j'ai suivi sur internet, ça fait scandale en Ouganda. Et cette femme-là, c'était une bonne qui était ce que vous appelez actuellement babysitting. C'est ça? Baby? Babysitting. Nous avons aussi des anglophones. Je comprends pas anglais. Alors, cette femme-là, il ne savait pas que le monsieur avait placé des caméras. Faites attention là où vous y allez. Oh, peut-être pour faire des ménages, et le patron n'est pas là, tu restes à la maison, c'est la fête. Tu sautes sur le lit, tu fais ceci, tu fais cela. Alors quand il revient, il rebobine tout ce que tu as fait. Et cette dame ne savait pas, il prenait cette affaire. Mais c'était choquant. Donc, tout le monde qui a vu ça, il a dit non. Ça, c'est. Donc, chez nous, on dirait que c'est un sorcier. C'est le terme qu'on dit souvent.
Cette maman a monté sur la femme. La femme venait de manger. Il monte, mais un bébé, je ne sais pas, de 2 ou 3 ans, il monte, elle monte sur elle, la frappe, elle les jette, et ses parents filment tout ça. Parce qu'ils ont commencé à voir que la santé de l'enfant n'était pas. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et ils ont vu toutes ces choses. Voyez-vous? Donc, je disais que, mais après avoir découvert ça, bon, la chose est arrivée en justice, hein, et on a projeté ça, tout le monde a vu ça. Ils ont haï cette dame-là. Et elle ne savait pas qu'on l'observait. N'est-ce pas? Maintenant, regardez, que celle qui faisait ça, ce n'était qu'une servante. Mais cet enfant, elle était dans sa propre maison. N'est-ce pas? Elle ne savait pas que c'est sa maison, c'est sa propre maison. Toute la nourriture, c'est pour elle. Et cette dame joue avec elle. Le diable fait comme ça avec les enfants de Dieu. Quand vous ne connaissez pas votre position, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu et tu dois redresser ta tête et marcher. Amen. Vraiment, on me dit que vous savez, Jésus, sur cette terre, il n'a pas vaincu le diable avec la force, les coups et les choses, mais avec la parole. Il est écrit, il a dit, il est aussi écrit. Amen. La victoire réside là, connaître sa position. Moindre chose, le diable va venir vous jouer avec vous. Il va vous trembler à gauche, à droite, il va faire de n'importe quoi. Mais si vous connaissez votre position, alors vous tiendrez tête. N'est-ce pas? Amen. C'est ça le but de ces messages. C'est que nous puissions arriver à avoir une position où on n'est pas ballotté à gauche, à droite. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit ceci. C'était donc une époque, comme toutes les autres époques, les gens n'ont jamais voulu être conduits par Dieu. C'est à l'époque de Samuel. Les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'était à cette époque-là. Les gens, Frère Branham dit, l'homme n'a jamais donc aimé être conduit par Dieu. Donc il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce qui fait que l'homme résiste toujours à la conduite de Dieu? Il dit cela. À l'époque qui était comme toutes les autres époques, les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière, à eux. Dites amen à ça. Amen. Vous allez voir même dans des petites choses, dans des entreprises, dans des écoles, dans nos foyers, il y a des fois vous dites ceci, mais l'homme veut faire à sa manière. Vous dites à l'enfant de faire ça, mais dans sa tête, ça trottine qu'il veut faire à sa manière. Parce qu'il pense que, non, ce que vous lui dites, ce n'est pas correct comme ça qu'il doit faire. Il veut faire ce que lui, ses sentiments veulent. Et vous devez savoir que nos sentiments ne sont pas des sentiments de Dieu. Amen. Nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit il voulait rester faire à leur manière à eux. Voyez? Ce matin, voyez, c'est cela. Quand vous rentrerez chez vous, frère madame dit cela, conseil cela, allez lire tout cela à la maison. Vous allez comprendre pourquoi. Voyez? Ils ne veulent pas être conduits par Dieu. Ils veulent faire les choses à leur façon. Voyez? C'était. Les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ces programmes-là. Ils ont constaté que dans les nations qui les entouraient, les pays qui les entouraient, ces pays-là, ils avaient un roi, ils avaient des armées, ils avaient toutes ces choses-là, ils avaient des armes, ils avaient toutes sortes de choses. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël, ils voulaient imiter aussi ce que les autres faisaient. Il t'amène à ça. Amen. Mais nous venons de lire avec vous que la loi de Dieu disait, n'imitez pas les nations. Il t'amène à ça. Amen. Souvenez-vous quand ils sont sortis de l'Égypte et que Dieu les a donné ce pays. Et dans ce pays-là, il y avait des gens qui vivaient. Il t'amène à ça. Amen. Il y avait des gens. Des gens, des personnes. Mais Dieu les a tous fait périr et il a pris ce pays-là, il a donné ça à qui? Aux enfants d'Israël.
Mais il dit que tout autour d'eux, il y avait d'autres nations. Mais il a dit, ne les imitez pas. Amen. Mais le problème que nous avons aujourd'hui avec les chrétiens, mais c'est l'imitation. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce qui est fait, madame, dit ici que Israël était le peuple que Dieu a choisi. Donc, toi aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois savoir que Dieu t'a choisi. Amen. Vous croyez ça? Amen. Tu n'es pas venu ici par hasard. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Et Dieu veut te montrer, te conduire selon sa voie. Selon ce que lui, il a décidé que tu puisses suivre. Mais quand nous sommes là, nous voulons aussi imiter les autres. C'est ça le problème. Dites amen à ça. Amen. Nous voulons imiter le monde. Nous voulons imiter les églises à côté. Nous voulons imiter comme tous les autres. Ils sont arrivés là. Non, non, non. Nous voyons que tous les autres, ils ont des grandes choses, ils ont de ceci, ils ont de cela. Nous aussi, nous voulons avoir ça. Mais n'oubliez pas que c'était la loi de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Si tu es dans le monde, eh bien, continue à vivre dans le monde. Mais si tu... Dieu t'a appelé et que tu as accepté cet appel ici. Ici, il y a une voie à suivre. Amen. 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 Mais regardez-vous. Qu'est-ce que nous n'imitons pas que le monde font? Vous allez dire, ah, les peuples là, ils étaient comme cela. Mais les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui étaient là sont encore aujourd'hui. Ils t'appellent à ça? Amen. Combien nous n'imitons pas ce que nous voyons au monde? Quand nous voyons des hommes du monde faire de n'importe quoi, hein, et roulant dans des voitures, je ne sais pas, avec des cigares, des gros cigares sur la bouche, et les chrétiens veulent aussi imiter ça. Quand nous voyons comment ce monde festoie avec leur liqueur forte, leurs alcools et leurs toutes ces choses, leurs cigarettes, les chrétiens veulent aussi suivre ça. Quand nos femmes regardent combien les femmes du monde sont belles, avec des jésabélismes, avec le maquillage, avec toutes ces choses-là, nos femmes aussi veulent imiter ça. Vous direz, ah, c'était à l'époque. Mais à notre époque, vous faites la même chose. Il t'amène à ça? Amen. Vous faites la même chose. C'est-à-dire que quelque chose, quelque part, nous sommes comme eux à ce moment-là. Il t'amène à ça? Amen. Parce que vous imitez aussi le monde. Amen. Amen. Vos exemples sont devenus des stars de la télévision. Vos coiffures, c'est le modèle du monde. Tout ce que le monde fait, nous le faisons. Je dis nous le faisons parce que si je dis vous, vous allez dire, ah, c'est toujours nous. Non, tout le monde le fait. Vous le faites aussi et vous devez accepter cela. Parce que tant que vous ne verrez pas que vous êtes en train de faire quelque chose de faux, vous ne pourrez jamais se corriger. Amen. Tant que vous considérerez le mal comme le bien, eh bien, ça passera comme une vie normale. Il t'amène à ça? Amen. Et vous voyez? C'était arrivé donc au point où ils voulaient donc modifier ce programme. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Éthiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'ils avaient des rois qui régnaient sur eux. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour régner sur l'homme. Il t'amène à ça? Amen. Non, monsieur. Dieu a créé l'homme pour que celui qui règne sur l'homme soit qui? Dieu lui-même. Au travers aujourd'hui du Saint-Esprit. L'homme a amené l'esclavagisme. L'homme a amené tout ce que vous voyez ici. Tout ce que vous attendez. Décolonisation. L'esclavagisme. Des servitudes. Tout ça, c'est l'homme. Amen. Amen. Que l'homme soit au service de l'autre et de notre homme. Et beaucoup des hommes, malheureusement, ils aiment comme ça. Hein? C'est dire à dire. Hein? Mais il y a des gens qui aiment comme ça. Être conduits par des hommes. Au lieu d'être conduit par Dieu. Voyez? Voyez? Donc, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient être donc comme les autres. Faire comme les autres. Avec des rois, il dit. Donc, ils avaient vu qu'eux, ils avaient des rois qui régnaient sur eux,
qui les gouvernait, qui les guidait, qui conduisait leur guerre, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là et sur ce peuple-là. Frère, un chrétien ne peut pas imiter le monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous le voyez avec des mini-jupes, vous voulez aussi mettre des mini-jupes. Vous ne savez pas les dangers qu'il y a dessus. Vous le voyez avec des pantalons, vous voulez imiter le pantalon. Ça, c'est le modèle du monde. Amen. 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 Que vous, les chrétiens, que nous, les chrétiens, nous voulons imiter. Mais Dieu interdit. Il dit, n'imitez pas la voix de quoi? Des nations. De toutes ces nations-là. Vous le voyez avec les maquillages, vous voulez aussi imiter ça. Vous le voyez faire n'importe quoi, vous voulez aussi mettre faire ça. Et vous voyez, c'était à l'époque, mais c'est encore aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Il voulait ça, il semblait donc qu'Israël voulait donc prendre d'exemple sur ces rois-là et sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque. Donc Dieu ne changera pas aujourd'hui. Dites amen à ça. Amen. Si à l'époque de Samuel, Dieu les avait reprochés, aujourd'hui, Dieu va encore reprocher ceux qui imitent le monde. Amen. Dieu n'a jamais, ça n'a jamais passé dans la tête de Dieu de faire comme les nations. Que son peuple agisse comme les gens du monde. Le chrétien n'est pas censé agir comme le monde. Nous sommes un peuple à part. Amen. Dites amen à ça. Amen. Notre façon de parler, ça doit être différent. Dites amen à ça. Amen. Notre façon de s'habiller, ça doit être différent. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Notre façon d'être avec des gens, ça doit être différent. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Voyez? Il dit alors, voyez? Ils aiment toujours faire ces choses. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part. Un peuple différent. Amen. 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 Un peuple différent. Enfin, il faut qu'on voie cette différence-là dans ta façon d'agir, dans ta marche. Amen. Amen. Appeler à sortir, séparer des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi le peuple du monde. Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est celui qui a quitté le monde. Amen. Amen. Quitter le monde, c'est-à-dire, vous avez abandonné. Parce que Frère Branham nous montre que les enfants d'Israël sont appelés peuple de Dieu quand ils ont quitté le fils d'église de Dieu, quand ils ont quitté l'Égypte. Dites amen à ça. Amen. Quand ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, c'est alors qu'on les a appelés peuple de Dieu, amen, l'église de Dieu. Amen. Amen. Un chrétien, tu n'es pas encore chrétien tant que tu es encore dans le monde. Ça veut dire quoi? Quand les choses du monde sont encore en toi, tu vis encore avec les choses du monde, tu n'es pas encore sorti. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est sorti. Pas être seulement sorti, mais être séparé. Amen. 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 Il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il y a une différence entre un chrétien et un non-chrétien. S'il n'y a pas de différence entre les mondes, donc tu es encore mondé. Dites amen à ça. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui nous fait appeler. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce que les gens ont vu que ce peuple-là vivait différemment des autres. Les apôtres. Dites amen à ça. On les a appelés pour la première fois des chrétiens. C'était à Antioche. Et c'était pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que leur vie était différente des autres. Amen. Ils ne vivaient plus comme tous les juifs qui étaient là. Ils ne marchaient pas comme tous les autres. Alors ils ont dit, ah, mais ils ont une vie différente. Ils vivent comme Christ. Alors on les a appelés de qui? Des chrétiens. Donc aujourd'hui, c'est sur la... Dieu ne change pas sa parole. Si tu es un chrétien, donc ta vie doit être différente du monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu dois t'habiller différemment de ta voisine. Dites amen, chère. Amen. Donc, ta
voisine sort en pantalon, toi aussi tu sors en pantalon, on va à l'église. Vous deux, tous deux, des païens. Est-ce que c'est vrai? Et le maire de messe qui couvre, qui descend jusqu'à par terre, aujourd'hui il y a des pluies, toutes sortes de couleurs. Toi aussi tu sors avec des mèches. Est-ce que vous êtes différents? Hein? Non. Non? Vous êtes pareils. Or là au ciel, il y a un peuple différent. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Et cette différence-là doit commencer ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il voilà ce qui c'était. Alors, mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde. Ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparé des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde. Amen. Amen. Différent dans leurs actions. Amen. Amen. Différent dans leurs actions. Différent dans leur manière. Amen. Amen. Oh, frère, il faut qu'on voie cette différence, sinon on est tenté de passer le temps pour rien. Autant mieux courir avec dans des parcs. Amen. Ah oui. Dites amen à ça. Amen. Autant bien courir, je ne sais pas, à promener les chiens dans le parc et tout ça. Sinon, on perd le temps ici. Mais si nous sommes ici, on doit être un peuple différent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Différent, il faut que le monde voit que réellement, toi, tu es différent d'eux. Amen. Mais si tu t'habilles comme eux, tu marches comme eux, tu parles comme eux, tu critiques comme eux, tu es dans ces lots ici, de ces gens ici, dont Dieu a mis dehors. Dites amen à ça. Amen. Ils étaient donc différents dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre. Amen. Amen. C'est, frère, nos foyers doivent refléter la vie de Christ. Amen. Nos maisons doivent manifester le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, les choses qui les intéressent et leur nature, tout entière, ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Amen. Voilà les chrétiens. Amen. Les aspirations des chrétiens sont différentes de celles du monde. Il t'amène à ça. Amen. La façon d'agir, sa façon de vivre, sa façon de marcher est différente. Et le peuple d'Israël est venu voir Samuel à cette époque. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu tout ce que c'était qui était tout autour dans leur nation, des nations qui les environnaient. Et ils sont venus voir Samuel. Écoutez ce que Frère Banam dit ici. Ils sont venus voir Samuel en disant, maintenant, tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il t'amène à ça. Amen. Et Samuel était un prophète. Vous croyez à ça? Amen. Parce qu'il y avait un frère, c'est une parenthèse, qui m'avait posé une question, je crois que c'est de l'autre côté. Il dit, mais pasteur, comment on trouve toujours qu'il y a des fois dans la vie des enfants, du pasteur, des serviteurs de Dieu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de connes et de choses comme cela. Est-ce que c'est quoi? Frère, vous devez savoir que dans cette parole, quand un homme prend la position pour Dieu, amen, il devient l'ennemi de qui? Le diable. Amen. Le diable essaiera toujours de vous attaquer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. S'il n'arrive pas à faire quelque chose avec vous-même, il va commencer à attaquer votre femme, il va commencer à attaquer vos enfants, amen, il va attaquer votre entourage. Oui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que nous avons des exemples dans la Bible. Oui. Frère, cela ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire que non, le pasteur a laissé tomber ses enfants ou son enfant. Parce qu'aucun homme ne souhaiterait ces choses. Amen. Mais nous voyons que même là, au commencement, cela a toujours été ainsi. Amen. Que les attaques viennent là. Le diable vient là où il y a Dieu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Là où il y a Dieu, le diable vient, il s'amène aussi. J'ai dit, frère,
Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait un sacrificateur. Un sacrificateur aujourd'hui, c'est un pasteur. Qui s'appelait Élie. C'est ça, n'est-ce pas? C'était un sacrificateur. Et ses enfants, je ne dis pas que les enfants de pasteur font toutes ces choses, non. Parce que nous croyons à ce que Dieu dit. Amen. Mais c'est une parenthèse, parce que ça me vient, quelqu'un avait posé la question, vous aussi vous pouvez vous en poser. Ces enfants faisaient des choses terribles. Allez lire la Bible, vous allez voir. Oui. Ils amenaient même des femmes à l'église, ils faisaient des choses, ils étaient là, ils venaient, ils prenaient ils estroquaient de l'argent aux gens qui venaient voir les pasteurs. Et dans les églises, on voit des choses comme ça. Hein? Quelqu'un qui veut mort, pasteur, j'avais une petite enveloppe pour le pasteur. Non, je vais lui donner dans sa poche. Parce que vous allez dire, mais c'est vraiment le bras droit du pasteur. C'est le fils du pasteur. Ce sont des esprits. Vraiment. Quelqu'un peut dire amen à ça. Je vous dis la vérité, je vous dis en conséquence des choses. Je connais ça. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Voilà, j'ai une enveloppe pour le pasteur, pour l'anniversaire de maman, pour l'amener un peu au restaurant. Ah bon, je vais lui donner dans sa poche. Ah, j'avais oublié de payer la dîme le mois passé. Bon, il veut faire un petit peu de nom. Il part dans sa poche. Ah, ne vous en faites pas. Dieu vous demandera. Vous dites, le pasteur ne le saura jamais. Il ne saura jamais. Mais Dieu le sait. Quelqu'un peut dire amen à ça. Parce que cet argent-là, ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour qui? C'est pour Dieu. Donc le propriétaire sait que Dieu a voulu. Vous payerez toute votre vie. Amen. Alors, je parlais de cet enfant. Ces enfants faisaient des choses terribles. Et ici, nous voyons que Samuel, qui était aussi le prophète, ces enfants faisaient aussi des choses qui étaient hors norme, hors de la parole. Les gens viennent nous dire que non, tes enfants ne se comportent pas bien. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, vous allez voir des choses comme ça. Même dans notre âge. Amen. Branham, notre prophète. Dites amen à ça. Ce n'est pas pour parler du mal des enfants du prophète, non. Mais pour vous donner des exemples. Pour que vous compreniez que ces choses-là, Dieu contrôle toutes choses. Billy Paul s'est mal comporté. Cela n'a pas empêché, cela n'a pas donné, cela n'a pas dit à Élie, le pasteur, le sacrificateur d'Ancien Testament, de démissionner parce que son enfant avait fait quelque chose de faux. Samuel non plus n'a pas démissionné. Branham, quand son fils est allé prendre une catholique, il n'a pas démissionné. Joseph, le prophète, il était devenu hippie. Aujourd'hui, c'est lui le pasteur du Branham Tabernacle. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Alors, des choses comme ça, frère. Priez. Quand vous voyez votre pasteur est attaqué, votre ministre est attaqué, ses enfants, ses élèves, toutes ces choses-là, priez pour eux. Amen. Parce que c'est un travail, frère, qu'on voulait. Si on demandait, en fait, si on demandait si tu veux faire ça, frère, je crois, celui qui est sincère n'accepterait jamais. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne se moquez pas de toutes ces choses. Mais prions au contraire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que Dieu qui a fait ces choses puisse faire quelque chose. Alors ici les gens sont venus voir Samuel. Ils ont dit, mais nous voulons, ils sont venus voir Samuel, donc à la page 8, il n'y a pas de paragraphe ici, la page 8, en disant, maintenant, tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. En effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Branham qui commente ça. Les enfants de Samuel. Ils recevaient des présents. Parce qu'à l'époque, les sacrificateurs, donc tout le monde qui venait, qui avait besoin d'une prière, qui avait besoin de voir, donc ils venaient voir les sacrificateurs pour toutes choses. N'est-ce pas? Et maintenant, c'est comme des huissiers, des diacres à l'église aujourd'hui. Quelqu'un veut voir le pasteur, il peut passer par un huissier, par un diacre. Il dit, bon, je veux voir le pasteur. Et il peut aussi résoudre un problème, un diacre. Amen. Sans arriver au pasteur. C'était ça à l'époque. Il dit, et les enfants là, ils étaient là, ils n'étaient pas loyaux. Comme Samuel. Ils recevaient des présents et ils acceptaient de l'argent.
Alors, ils ont dit, Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Alors, nous voulons que tu ailles nous trouver un roi, et que tu loignes, et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples. Comme les autres peuples de quoi? Du monde. Donc, les enfants d'Israël, ils ont vu que non, leur manière de faire, il n'y avait pas un roi qui marchait devant eux, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Alors, j'ai dit non, nous voulons aussi être comme les hommes. Comme les hommes du monde. Beaucoup de chrétiens rétrogradent. Après une longue peut-être période dans la vie chrétienne, après ils découvrent que non, ah, j'ai sauté ma jeunesse. J'ai raté des boîtes de nuit. J'ai raté la bière. J'ai raté toutes ces choses. Je vais retourner et faire comme les autres. Frère, un chrétien ne ferait pas ça. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Et ce que le monde appelle vie, en fait, c'est la mort. Amen. Si on vous raconte ce qui se passe dans des boîtes de nuit, mais des boîtes de nuit, ce sont des sanctuaires de Satan. Amen. C'est là qu'il prend ce qu'il a besoin. S'il veut du sang, c'est dans des boîtes de nuit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce sont ces poulaillers, ce sont ces endroits où il va chercher comme un homme qui a des poulaillers. Là, aujourd'hui, je vais prendre cette poule-là pour l'offrir ou le manger, ou cette petite chèvre-là, il prend, c'est lui, c'est pour lui. Des boîtes de nuit, c'est des boîtes de Satan. Amen. Amen. Quand tu n'as jamais été dans une boîte de nuit, ne regrette jamais ça, Dieu t'a épargné. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oh non, vous voyez, nous, j'ai entendu quelqu'un à la radio dire, il a fait la crise de... À 15 ans, cet enfant, cette femme-là a fait la crise de l'adolescence. Il est allé dans les boîtes de nuit, il a passé, je ne sais pas combien, toute la nuit là, donc pour se saouler, juste pour se saouler. Et elle est ressortie dans cette boîte de nuit, elle ne sait pas, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Violée, ensanglantée, et elle est sortie dans cet état-là. Voilà ce qu'ils appellent la vie, mais c'est quoi? La mort. Ne regrettez jamais, n'enviez jamais le monde. N'enviez jamais leur vie. Sont des esclaves. Amen. Dites amen à ça. Amen. Elle va passer toute la nuit en cherchant des hommes. Et vous savez, vous pouvez passer toute la nuit et que personne ne vienne vous chercher. Est-ce que vous savez cela? Mais il faut ça. Et il vous appelle sa vie. Non, c'est la mort. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu vous a épargné. Mais beaucoup de gens aspirent encore à ces choses. Ah non, 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 j'ai raté. Tu n'as rien raté. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et dit, voyez-vous, alors ils ont dit, nous voulons être comme le monde, comme les autres. Nous voulons marcher comme eux. Nous voulons avoir aussi des soirées dansantes. Nous voulons avoir des festivités et toutes ces choses-là. Comme les autres. Aujourd'hui, frère, les gens regardent, bon, à notre église, ils ont fait quoi? Comment ils ont fait? Nous aussi, on va faire. Ils regardent, mais notre maison, là, ils ont fait quoi? Nous aussi, on va faire. Un chrétien ne marche pas sur cette idée-là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne faites jamais de telles choses. Alors, frère, madame dit ceci, voyez-vous? Et Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Amen. Amen. Ça ne marcherait pas. Il a dit, si vous faites ça, vous verrez, voyez-vous, avant longtemps, il fera sortir tous vos fils de votre maison. Il en fera des soldats pour qu'ils courent devant son char et qu'ils portent des armes et des lances. Et ce n'est pas tout. Il prendra vos filles pour en faire des boulangères et vous les enlèvera pour nourrir l'armée. C'est ça. Il t'amène à ça. Amen. Et les gens aiment des gens comme ça, des dictateurs. C'est ça. Dieu vous a donné un simple pasteur, un homme simple, un homme humble. Vous ne voulez pas. Vous voulez un homme qui a des cols montés jusque-là, des théologiens. Et ils ont voulu un roi. Samuel les a expliqués. Il dit, ouais, écoutez, nous n'avons comme guide que le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui est notre roi. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre roi. Vous voulez un roi? Il dit, voilà les droits du roi. Quand vous allez choisir le roi là, quand il viendra, il vous imposera de quoi? Des choses. C'est quoi? Ce qui ne sera jamais la parole. C'est premièrement, le roi, il prendra vos jeunes gens, les jeunes garçons. Il les enverra où? À la.
pour porter ses armes, pour combattre, pour courir devant son char. Dites amen à ça. Amen. Il prendra vos jeunes gens. C'est son droit du roi. C'est ce qu'ils ont. Est-ce que vous le savez? Oui. Amen. C'est son droit du roi. Il a des droits. Même ici, ils essayent d'enlever le droit du roi, même ici en Belgique, ici. Mais le roi a des droits. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. C'est normal, il est roi, il doit avoir des droits. Sinon, pourquoi il est roi? Alors, après que vous annulez la royauté. Mais s'il y a un roi, il doit y avoir de quoi? Des droits du roi. Amen. C'est quelque normal. Il va prendre vos jeunes gens, il va les envoyer à l'armée. Il va prendre vos jeunes filles. Il va en faire des sépoulagers et beaucoup d'autres choses. Dites amen à ça. Oh, ils appellent même pour femmes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est son droit. Beaucoup de gens marchent avec toutes ces choses. Et le monde, le royaume du monde est claqué sur ces choses-là. Dites amen à ça. Amen. Il fera ça avec vos enfants, il fera ça avec vos jeunes et il les enverra à l'armée. Il fera toutes ces choses-là. C'est son droit. Dites amen à ça. Amen. Et ils ont dit, il enverra des soldats pour qu'il court devant son char. Il enlèvera pour nourrir l'armée. Et il a dit, en plus de tout ça, il vous fera payer des taxes. Voilà. Il t'amène à ça. Amen. Des taxes. Vous devez payer ça. Vous devez payer ça. Frère Branham dit, nous, quand nous demandons de l'argent, nous n'obligeons jamais, jamais, jamais aux gens de nous donner des millions. Oh non, vous devez donner ça, vous devez payer ça, vous devez payer ça. Non, nous demandons, parce que la maison de Dieu marche avec l'argent. Dites amen à ça. Amen. Tout marche avec l'argent, mais vous devez le faire de bon cœur. Amen. Et celui qui a Dieu en lui. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et celui qui a Dieu en lui donne toujours. Amen. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas de scientifiques commencent à faire des calculs. Quand je vais donner ça, mais demain on va manger quoi? Voilà. Un homme sans avenir. Amen. Je vais manger quoi? Je vais. Comment je dois payer la maison demain? Vous, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à ce Dieu-là qui vous a appelé. Il t'amène à ça. Amen. Vous faites des calculs. Matthieu 6 dit, voyez-vous, Dieu, celui qui a Dieu en lui, il ne se pose pas de questions. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Amen. Amen. Ils ne sèment ni les moissons. Mais aucun d'eux ne se soucie. Qu'est-ce qu'il va manger demain? Parce qu'il sait que Dieu pourvoira. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Alors, il dit ici. Il dit, le roi, il va, il dit, viens chez. 10 000. Frère, vous voulez prier? Vous voulez voir prier pour le mariage? Vous voulez bénir votre enfant? Alors, 10 000. Et vous devez payer. Il dit, voilà le droit du roi. N'est-ce pas? Il continue pour dire. Il prendra donc. Il vous fera payer donc des taxes sur votre grain et sur tout votre revenu. Il taxera tout ça. Ce qui créera des dettes gouvernementales et tout, qu'il faudra rembourser. Il a dit, je pense vraiment que vous faites une erreur. Samuel les a conseillés. Ne faisons pas ça. Ne suivons pas ce que les autres font. Nous, nous dépendons de qui? De Dieu. Mais alors les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres. Ils ont crié. Frère Branham dit qu'ils étaient là tous les jours. Hein? Tous les jours. Il y a des choses comme ça dans les églises qui se passent. Pasteur, pasteur, pasteur. Non, moi tu vois, ça là, ça là, ça là, ça là. Nous voulons faire ça. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et Samuel, il a dit, mais je vous dis que ça ne marchera pas. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne sera pas content de cela. Ils ont dit, voyez-vous, nous voulons quand même être comme les autres. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent rassembler les uns aux autres. C'est Branham qui dit ça. Au lieu de chercher à rassembler Jésus-Christ, les hommes cherchent à se copier les uns les autres.
ah, je veux m'habiller comme tel frère. Je veux m'habiller comme celle-là. Je veux m'habiller comme telle sœur. Je veux m'habiller comme telle sœur. Quand les choses sont justes, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient trop, c'est un mauvais esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et quelqu'un disait, frère, l'argent, il faut savoir dominer l'argent. Si c'est l'argent qui vous dirige, ça devient mauvais. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Vous devenez adorateur des idoles. Et ils ont dit, non, nous voulons quand même avoir, n'est-ce pas? Un roi comme les autres. Voyez, Branham dit, voyez, mais il y a quelque chose toujours dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. Et il n'y a qu'un homme qui ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple. C'est celui qui est mort. C'est celui qui est mort pour nous tous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il a été l'exemple parfait de ce que nous devions être. Amen. Notre modèle, ce n'est pas le frère à côté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Si nous devons, frère Madame dit ici, regardez comment lui, il a marché. Il ne s'occupait que des affaires du Père. Ça, c'est un. Dites amen à ça. Quand on parle de s'occuper des affaires du Père, combien pense à ça? L'Église a des dettes, l'Église a des ceci. Qui pense à ça? Tout le monde pense à son ventre. Mais pas pour Dieu, pas pour les affaires du Père. Ah, il y a ceci, il y a cela. Il y a un problème. Quelqu'un a aidé. Nous avons quelque chose à faire. Personne ne pense à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais dites amen à ça, frère. Amen. Parce que ça vous concerne. Amen. Nous sommes en train de voir comment les chrétiens marchent. Amen. Notre première pensée d'abord, les affaires de qui? Du Père. Amen. Si nous voulons imiter, parce que la seule personne que nous pouvons imiter, c'était ici, la Bible nous montre que c'est Jésus-Christ. Amen. Mais lui, premièrement, il s'occupait des affaires de qui? Du Père. Nous, c'est le contraire. Il a dit, premièrement, le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. La première chose qu'on pense, dès qu'on a son argent, dès qu'on a quelque chose à la maison, ah bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, le ventre, le frigo. Bon, la maison est payée. Bon, on va payer la maison. L'électricité, ok. Hein? Bon, ah, l'enfant devrait partir en vacances. Ah, celui-là, ok. Dieu n'est même pas dans vos programmes. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est vrai. Et vous le savez, ceux qui sont sincères dans leur cœur, ils le savent. Dieu n'est pas dans ton programme. Et quand Dieu n'est pas dans ton programme, c'est-à-dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu n'est pas là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Celui qui a Dieu dans son cœur, la première pensée du royaume, le reste vient après. Vous dites amen à ça? Amen. Et vous savez ce qu'il a fait. Il dit, voyez-vous, donc, et il n'y a qu'un seul, l'exemple que nous avons, c'est Jésus. Qu'est-ce que lui, il a été l'exemple parfait de ce que nous devions être. Toujours, un, s'occuper des affaires du Père, et seconde chose, à faire le bien. Amen. Dites amen à ça. Amen. À faire quoi? Bien. C'est-à-dire que, si un homme rencontre dans mon chemin, sur son chemin, il ne peut avoir que du bien venant de ma part. Amen. Qu'il ait des souvenirs, oh, c'est un bon frère. Amen. C'est une bonne sœur. Faire que du bien. Amen. C'est ça que Jésus a fait. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, faire que du bien. D'abord, le royaume de Dieu. Pensez aux affaires du Père. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et faire du bien. Le reste, c'est Dieu qui le donne. Mais les gens ne savent pas ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est quand vous vous occupez des affaires du Père que lui s'occupe de Dieu. Amen. Hein? Vous dites amen à ça. Amen. Quand il part, la Bible dit, Frère Madame nous a dit une fois, dans les citations, il dit, la vie éternelle consiste à faire quoi? À vivre pour les autres. Amen. C'est ça le devoir d'un chrétien. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu, le frère, c'est ça le royaume de Dieu.
Amen. Amen. Vous êtes, vous, le royaume de Dieu, le royaume de ciel. Mais vos pensées sont contraires à ça. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous? Et Samuel a beau chercher à convaincre les gens, ils étaient toujours après lui. Il dit ici, voyez, jour et nuit, nous voulons un roi, nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et ça, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Les hommes cherchent un homme comme ça. Un homme qui, à qui ils ont fièrement. Notre pasteur, notre ceci, notre cela. Mais il faut que cet homme, et pour donner, c'est-à-dire, ça doit être un homme selon leur pensée. Amen. Pas selon les pensées de qui? De Dieu. Voyez-vous? Et voici votre guide. Et ça, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. Amen. C'est le diable qui a amené cela. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand un homme règne sur un homme, c'est le diable. Amen. Dans le monde politique, on appelle ça la dictature. Amen. Il y a une constitution, mais il ne regarde pas la constitution, il regarde à ses propres intérêts. Amen. C'est ça la dictature. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, c'est Dieu qui doit régner sur l'homme. Exactement. Dites amen à ça. Amen. C'est Dieu qui doit régner sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme, et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Ils ont dit, oh, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous voulons être aussi comme les autres. Donne-nous ces rois-là. Donne-nous ces rois-là. Et Samuel a dit, ok, je vais consulter Dieu. Il t'amène à ça? Amen. Je vais consulter Dieu. En consultant Dieu, Dieu lui dit, donne-leur un roi. Il t'amène à ça? Amen. Ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils ne veulent pas, mais c'est moi, Dieu, qu'ils ne veulent pas. Parce que dans Samuel, c'est Dieu qui régnait sur le peuple. Amen. Il t'avait là ça. Amen. Et Samuel, c'est là où il a sorti cette phrase. Il a dit au peuple d'Israël, mais pourquoi vous voulez un autre roi? Est-ce que moi, tel que je suis là, je vous ai déjà fait du mal? Allez lire la Bible, vous allez voir. Ils ont dit, mais non, nous, on n'a pas dit que tu nous as fait du mal. Est-ce que j'ai déjà pris votre femme? Hein? C'est une question. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens marchent avec ça dans leur tête. Dès que vous attendez quelque chose, ah ceci, ah ceci, ah cela. Frère, vous devrez savoir, même dans nos églises, même dans notre église, si tu es une femme de quelqu'un, et que tu as déjà vu le pasteur décliner de l'œil, ou tu as vu un geste qui n'est pas correct, toi, une femme d'une personne, tu dois le dire. Sinon, au jour du jugement, Dieu te demandera des comptes. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Si vous avez déjà vu ça, et les gens racontent de n'importe quoi, est-ce que je vous ai déjà pris votre femme, ou à qui j'ai escroqué de l'argent? Hein? C'est ça qui disait ça? Ça, je l'ai dit pour vous ici aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. À qui j'ai escroqué de l'argent, par exemple? Bon, frère, viens avec ça. On va faire ça. Et j'ai bouffé. Frère, viens avec ça. Avec ça. On va faire et on a bouffé. Si vous en connaissez, si vous savez une telle chose, vous devez me voir, me parler, et le dire à l'église. Amen. Amen. Il t'amène à ça? Amen. C'est différent quand j'ai dit, frère Hans, est-ce que tu peux me prêter 2000 euros et que je rembourse? Ça, ce n'est pas l'escroquerie. Il t'amène à ça? Amen. C'est normal. C'est clair. Je te rembourse ton argent. Tu m'as prêté. Parce que quand je prête, c'est une dette. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Hein? Mais quand je vous ai bouffé l'argent, ça, c'est l'escroquerie. Oh! Et il dit encore ici, le roi là, il a besoin, même il prendra même vos vierges. Est-ce que vous le savez?
Frère Branham dit, c'est des questions qu'on doit savoir dans l'église. Quelle est cette vierge, par exemple, dans cette église, qui a été déviergée par le pasteur? Si tu es là dans l'église et que tu sais que le pasteur t'a déviergé, tu es dans le droit de le dire, de voir cet homme-là et de le dire. Sinon, Dieu vous demandera des comptes. Mais les gens racontent de n'importe quoi. Dites amen à ça. Ce sont des choses sérieuses. Choses très sérieuses. Les femmes, tu es la femme de quelqu'un. Vous qui êtes là, vous avez déjà remarqué que le passé vous a appelé quelque part, que tu deviens ma femme. Hein? Ou qui vous a un geste un peu déplacé, une parole déshonorante. C'est des choses que l'église doit savoir. Parce que nous voulons avoir une église qui soit saine. Amen. Amen. Des faiblesses, tout le monde peut en avoir. Amen. Mais quand il y a des choses comme cela, il faut venir me voir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que quand il y a des choses de nous, et les gens ne vérifient pas, ils s'en plaignent. J'ai appris des choses à qui, ces jours ici, dans les messages, je ne sais pas. Des choses terribles. Et ils accusent. Parce que quand quelqu'un a quelque chose contre vous, il inventera de n'importe quoi. Amen. 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 La Bible dit, quand vous accusez un ancien, il faut qu'il y ait de quoi? Des preuves. Des preuves. Irréfutables, frère. Dites amen à ça. Amen. Des preuves irréfutables. Quoi? Ah non, il a escroqué l'argent. Viens, viens avec. Bon, qui était là? Oh, vous voyez, j'avais l'argent, voilà, j'avais donné au pasteur, et j'avais fait ceci, le pasteur n'a jamais remboursé, le pasteur n'a jamais donné cet argent-là. Ah, est-ce que c'est vrai? Oui, des preuves que vous avez vues. Pas que vous avez... On l'a attrapé là avec une femme. Frère, viens avec des preuves. Quand il y a des choses, il faut qu'il y ait quoi? Des preuves. Ah, aujourd'hui, vous avez la technologie. Ah, on a filmé. Hein? On a filmé. Regarde, parce qu'on t'a filmé ici avec quelqu'un. N'est-ce pas? Des preuves tangibles. Pas des histoires. Non. Parce que quelqu'un, quand quelqu'un veut vous salir, frère, il peut vous salir dans, de toute manière. Peu importe comment il peut vous. Quand il est décidé à vous salir, il vous salira. Ça, c'est vrai. Et le diable lui donnera toute l'occasion de vous salir. Ils inventeront même des choses. Même dans les tribunaux du monde, frère, quand vous accusez quelqu'un devant les tribunaux du monde, là, tu vas, tu racontes, eh, voyez cet homme, s'il est entré dans ma maison, il a volé, monsieur, donne-nous deux. C'est le monde. Mais l'église ne veut pas voir ces choses. Ah, il a volé, ah, oh, celui-là, on le savait. Ah, on le savait qu'il va tomber. On le savait qu'il va voler. Vous avez des preuves? Non. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les messages. On accuse un serviteur de Dieu, mais... Sans preuve. Sans preuve. Sans preuve. Parce que, ah non, telle sœur a raconté. Et telle sœur qui a raconté. Il faut être sûr, de, je ne sais pas de quoi vous parlez. Comment tu peux laisser un homme te parler de faire toutes ces choses ici et après tu vas dénoncer? Mais tu es d'abord complice quand tu acceptes ces choses. Ben oui. La personne à condamner, c'est toi. Ah ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le piège. Mmh. Alors, et une sœur appelle le pasteur. Pasteur, tu sais, tout ça, voilà, tout. Il dit, bon, on se voit à l'hôtel tel. Oh. Et il va appeler les gens. Ah, ça, ce qu'il vous dit, c'est vrai. Il appelle des gens, il appelle son mari, il appelle ses frères. Il y a des gens toujours qui n'ont jamais accepté ces pasteurs. Ils entrent dans la chambre et ils se cachent. Et la sœur, Chérie, tu peux venir. Oh. Un piège. Et la Bible dit, quand vous tentez un piège, un serviteur de Dieu, vous, ce piège-là se retournant contre vous. Amen. D'une manière ou d'une autre. Tu ne veux pas quelque chose, dis à la personne, pasteur, fais, même faire. Mais non, ça tu ne peux pas faire. On ne peut pas faire ça. Mais toi, tu dois lui attirer. Tu dois lui tendre un piège, cela retournera contre toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le mari dit, je suis contre ces frères-là. Il faut qu'on puisse faire tomber ce pasteur, qu'on puisse tomber cet homme. Il s'arrange avec sa femme. Ah oui.
tu dois le tendre le piège. Il va te flatter, il va te flatter. D'abord, ça commence par des flatteries. Flatteries, on devient vraiment amis, des choses comme cela. Et tout ce que vous dites, il est en train d'enregistrer. Vous direz que ça, c'est vraiment quelque chose que cet homme pouvait faire. C'est un piège. Et pour ça, peu importe ce que vous ferez de cet homme-là, mais Dieu le justifiera d'une manière ou d'une autre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que votre nom soit non et que votre oui soit oui. Ne laissez pas des choses comme cela et après tu te retournes contre l'alors. Mais tout ce temps-là, la sœur, ils ont cherché, ils ont fait sortir des enregistrements. Voilà ce qu'on parlait avec. Et tout ce temps-là, pourquoi tu. Parce que la Bible dit quand tu vois ton frère commettre une faute, c'est d'aller dire à quelqu'un d'autre. Non. Va lui dire à lui. Amen. Parle-lui. Que faire ça que tu fais là, ce n'est pas correct. Arrêtons. Tu sauveras ton frère. Parce que les esprits sont sur tout le monde. Amen. Les esprits attaquent aussi les pasteurs. Dites amen à ça. Amen. Ah, vous pensez que les pasteurs sont exemptes des attaques? Non. Au contraire, ce sont les premières personnes que le diable attaque. Amen. Vous le savez? Amen. C'est des choses qu'on doit savoir dans l'église. Quand les gens racontent n'importe quoi, et les gens ouvrent comme ça les oreilles. Vous avez entendu? Et les autres prennent une décision sur ça. Les autres quittent les églises comme ça. Il n'a pas vu une preuve. Mais il a entendu. Okay. La Bible dit dans ces cas-là, il n'était pas. Amen. Mais pas des vrais enfants. Parce que vous savez, des faiblesses, tout le monde a des faiblesses ici. Amen. Qui peut lever son doigt que lui, il n'a jamais une faiblesse. Sinon, vous ferez de Dieu un menteur. Dites amen à ça. Amen. Mais on doit s'entraider. Il t'amène à ça. Amen. On doit s'entraider pour toutes choses. Et Samuel les a posé la question. Mais pourquoi vous ne voulez pas de moi? Je vous ai pris votre femme. J'ai pris vos filles. J'ai pris votre argent. Hein? Ils ont dit, mais non. Mais pourquoi vous voulez un autre roi? Vous êtes avec moi? Amen. Mais non, écoutez. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais nous voulons quand même un roi. Nous voulons quand même un roi. Et c'est moi là, Ibo, chercher comment le faire. Il n'a jamais réussi. Il dit, voyez-vous? Et il dit, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu de faire des choses comme cela. Voyez? Voilà. Un tableau vraiment très comparable à aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme. Alors, ils se sont choisis un homme du nom de Saul. Hein? Ils ont choisi un homme qui s'appelait qui? Saul. Saul ou Saul, comme vous voulez. Saul. Hein? Il y a alors, qui, voilà, Branham dit, je suis au paragraphe, page 8. Alors ils se sont choisis un homme du nom de Saul, ou Saul, je ne sais pas, qui était le fils de Kis. Il y a beaucoup de fils de Kis dans des assemblées. Tous ceux qui viennent à l'église faire, ne vous en faites pas. Ils ne sont pas tous des fils de Dieu. Vous le savez, n'est-ce pas? La démonologie. Amen. Le diable envoie aussi ces agents-là. Mais fais pire. Il sert très piège. Ah! Faites attention. Amen. Qu'est-ce que vous dites là-bas, n'est-ce pas? Amen. Ils ont choisi donc un homme du nom de Saul qui était le fils de Kis. Et c'était un homme de bonne réputation. Un homme honorable. Mais il faisait parfaitement l'affaire des gens parce que c'était un homme imposant, grand et d'une stature noble. Et les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. Il avait une allure royale. Et il était beau de figure. C'était un homme brillant, un homme extraordinaire, intelligent. Il t'amène à ça. Amen. La Bible dit que Saul, tous les Israélites étaient là. Lui, il était là. Hein? Yamukolo. Là. Dites amen à ça. Imposant. Un homme beau. Très intelligent.
Il t'amène à ça. Amen. Ils ont dit, ah, voilà l'homme. Donnons une acclamation. Référence de ce qui tombe là. C'était la semaine. Il dit, voilà l'homme. L'homme regarde toujours à ce qui frappe. Ça, c'est ça la faiblesse de l'homme. Il regarde toujours à ce qui frappe. Amen. Amen. Voilà l'homme. Il dit, voyez-vous, grand, imposant. Et c'est qu'il dit qu'il était au-dessus de tous les autres. Il avait une allure royale. Et ils étaient beaux de figure. C'était un homme brillant, un homme extraordinaire. Or, voilà les genres d'hommes que les gens aiment choisir aujourd'hui. Quand vous êtes toujours petit comme ça, celui-là, on a même honte de lui présenter que c'est mon pasteur. Ah, il y a des gens comme ça, frère. Hein, non, bon. Il ne s'habille pas bien, il n'est pas en basantôme et toutes ces choses. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son église. Vous êtes avec moi? Pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certains gens qui gouvernent l'église. Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans le main de Dieu pour être spirituel, pour être conduit par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Donc, cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste parce que c'était un homme très intellectuel. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà l'homme que le monde choisisse. Un homme grand, un homme intelligent, un homme qui satisfait les... Il dit, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises. Les mêmes esprits sont encore là aujourd'hui. Amen. 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 Frère Branham dit, quand l'homme n'a pas de diplôme de théologie, donc, le monde, surtout dans les dénominations, tu ne peux pas monter en chair. Il faut avoir au moins 2-3 diplômes. Mais c'est écrit où dans la Bible? Dis t'amène à ça. Amen. Dieu appelle ses enfants. Amen. Dis t'amène à ça. Amen. Et il les appelle au ministère, au travers du Saint-Esprit. Dieu n'envoie pas ses enfants dans des séminaires. Ça, c'est des hommes. Des séminaires sont des œuvres des hommes. Amen. C'est l'homme qui a formé des séminaires pour former des gens. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais que Dieu est formé par le Saint-Esprit. Amen. Pas dans des séminaires. Non. Pas dans des écoles théologiques. Non. Dites amen à ça. Amen. Ça n'existe pas dans la Bible. Non. Voilà pourquoi nous avons tous ces dégâts que vous attendez partout. Exact. Des gens qui se prétendent je ne sais pas quoi et qui font n'importe quoi au nom de Dieu. Amen. 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 Ça ressemble exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, voyez-vous? Nous aussi, pour diriger nos églises, qui dirigent l'église de Dieu, voyez? Je n'ai rien à dire contre ça, mais je veux simplement faire ressortir ceci. Ce n'est pas, ce n'était pas, et ce ne sera jamais. Jamais. Oh, amen. Ça? Branham dit, je le répète ici, ce n'est pas, ce n'était pas, amen? Donc hier, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Demain, ça ne sera pas comme ça. Amen. Ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Amen. C'est Dieu qui doit diriger son peuple. Amen. Gouverner chaque individu. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Ils ont choisi Saul. Parce qu'il était grand. Parce qu'il était intelligent. Voyez? Nous voyons donc que ce fils de Kis. Madame était... dire que ce fils de Kis, cet homme imposant, avec sa stature, il semblait faire l'affaire des gens, voyez-vous, qui se disait que le manteau lui irait très bien. Non, le monde a ses façons de... Donc, ils ont dit que non, lui, quand on va lui mettre le manteau du roi là, tu vas voir, ça va être vraiment... Hein? Quand on va poser la couronne sur sa tête. Parce que David, c'était de petits hommes, ça va danser de tout. Mais lui, ça va vraiment lui aller. Dis David à ça. Amen. Moi, je rigole parce que je pense à l'époque d'Isaïe.
les Congolais étaient devenus très, très, très orgueilleux. Mmh. Vous savez pourquoi? Mobutu. Qui connaît? Mobutu. Les gens voyaient Mobutu un homme bien fait. Et quand il parlait, oh, tout le monde, pas seulement au Congo, même en Afrique, Mobutu avait des fanatiques partout. C'était un homme bien posé. C'est-à-dire que le manteau lui allait très bien. Amen. Et quand il posait son, son chapeau et sa canne, oh là là, on était fiers de lui. Dans la, c'est vrai. Amen. Donc quand il sortait là, on dit voilà un peu. Ah oui. Mais oh, y a, y a, regardez maintenant la conduite. On peut arriver dans un. À ce village, il dit, toutes mes sœurs catholiques, il a de chez moi. Oh. Et c'est son droit. Mmh. Et regardez maintenant, le pays est tombé plus bas. Mais c'était un homme que les gens aimaient. Mobutu, on le souhaitait 100 ans. Mmh. C'est des gens des saules. Hein? Des gens des saules, des saules. On regarde la beauté de l'homme. On regarde la taille. Et quand il prononce la parole, tout le monde tremblait. Il dit, voilà l'homme. Mais, dedans, zéro. Frère, le Congo est tombé plus bas. Que jamais. Plus bas. Par la gestion de qui? Des Mobutu. Mais avoir l'apparence, oh là, c'était un grand haut. Dites amen à ça. Si on était comme ça. Écoutez, il dit ici, regardez. Hein? Le peuple, ces gens-là, ils ont dit, voir. Je disais ça, voilà qu'il me parle encore ici. Il dit, voilà quand ils ont vu ça. Ils ont dit, oh là là, voilà les gens d'hommes. Il va marcher devant nous dans la guerre. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez, il va marcher devant nous. Or, il dit, voyez, c'était cela. Nous voyons donc que ces fils de Kis. Cet homme est posé avec sa statue. Il savait faire l'affaire des gens. Et il marchait en dépassant tout le monde. Qu'il serait un atout précieux pour le royaume d'Israël. En effet, les autres rois allaient, les autres nations allaient penser, regardez, quel homme. Exactement comme je viens de vous donner l'exemple de Mobutu ici. Mobutu était écrit en Afrique. Hein? Vous savez cela? Hein? Il recevait des invitations, même notre armée a aidé beaucoup de pays africains. Hein? Il était devenu l'ami de Eyadema du Togo. L'armée congolaise formée des Togolais au Congo-Brazzaville, au Cameroun, partout au Burundi, hein? Au Rwanda. Hein? Donc il était apprécié. Mais regarde la gestion de sa propre pays. C'était terminé. Vous êtes avec moi? Parce que l'homme a regardé. Parce qu'il disait de Kassavubu, il y avait un président qui l'a précédé. Qui ça le. Kassavubu, oui, je voulais dire. Alors, Kassavubu, cet homme-là, quand il partait en mission, hein, le gouvernement sort l'argent. L'argent pour la mission. On te donne 10 000 pour ton séjour que tu vas passer à Bruxelles. Pour l'hôtel, le manger, les restaurants et tout. Kassavubu, quand il arrive à Bruxelles, il entre dans l'hôtel, il prenait juste les choses nécessaires. Et à la fin de son séjour, il y a 5 000 qui restent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il rentre au pays, il va retourner cet argent dans les caisses de la trésorerie. Hein? Mais ils ont qualifié cet homme de ils ont dit que mais c'était fou. On te donne l'argent de l'État et tu le remets dans la caisse. Non, lui, c'est pas. Il était trop mou. On dit, il parlait comme une chouette. Donc les hommes comme ça, l'homme ne le veut pas. Des hommes honnêtes, l'homme ne veut pas un homme comme ça. Un homme humble. Cet homme-là restait toujours dans sa villa de Kassavubu là. Hein? Donc, mais les gens ne veulent pas ça. Ils ont dit non, lui, il faut le mettre dehors. C'est exactement ce qui s'est passé là. Il t'amène à ça. Ils ont dit, mais Samuel, lui, non, nous voulons un roi.
un roi qui soit, auquel nous allons montrer aussi autour des autres nations que nous avons aussi un roi. Et des églises, c'est pareil. Parce que Branham dit que cela se passe aujourd'hui dans des églises. Dieu vous a donné un pasteur humble. Non, 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 non. Lui, il ne sait pas parler. Lui, il ne sait pas bien s'habiller. Lui, il ne fait pas ceci. On a honte même de le présenter avec nos fers. Ah, il y a des gens comme ça. Mais celui qui a honte de son père, Dieu aura honte de toi. Dites amen à ça. Ton père, même s'il est petit comme ça, même s'il est mince comme ça, c'est toujours ton père. Peu importe. Vous lui devez du respect. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que je ne le changerai pas avec un autre père. Non. Comment tu vas le faire? Dites amen à ça. C'est ton père, c'est ta mère. Tu ne pourras jamais la changer avec quelqu'un d'autre. Frère madame dit cela. Il y a des gens qui ont peur, honte de leur mère. Quand la maman devient vieille là, on commence à le mettre. Toi, tu restes là. Vous allez au nous, on a le fait d'anniversaire du travail. Mais je peux venir avec vous. Non, 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 toi, tu restes là. Parce que la honte qu'on va voir sa vieille mère, la ridée, tout ça. Frère, faites attention. Votre mère, c'est votre mère. Amen. Elle restera toujours votre mère. Frère, madame, dit, vous savez, une mère. Mais c'est la première personne qui vous prend dans les bras quand vous venez dans ce monde. Est-ce que je vais avoir honte de ma mère? Non. Et une maman, c'est une église. Je dois avoir peur de mon église? Non. Honte de mon église? Non. Que je suis d'Agapao? Non. Vous aurez honte de dire ça? Non. Non, parce que vous dites, oh, c'est une petite église. Jamais, pasteur. Non. Vous avez honte de ça? Non. Non. Parce que c'est elle qui vous a fait grandir. Amen. Que vous le vouliez ou pas? Ah, frère! Mais tout ce que vous avez eu, vous l'avez eu là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. 10 ans que tu es là, tu penses que tu n'as rien. Et si c'est que tu le payes que tu l'as eu là, quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Que les gens sont ingrats. Amen. Ils sortent là, ils commencent à vous chercher. Ah, frère, c'est fini là, c'est fini. J'ai fait 10 ans, c'est pour rien. Ah, pour rien. C'est comme des femmes qui disent, bon, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Même dans des foyers. Un homme dit, c'est une femme. Elle reconnaît quelque chose quand c'est dans la bouche. Quand elle mange là, la minute, elle dit, quand elle avale, c'est terminé. Non, non, il a pas. Allez bien shooter. C'est fini. Frère, soyons reconnaissants. Amen. Dites amen à ça. Amen. Bon, tu es là 5 ans, une année, même dans l'église. Mais c'est comme une femme. Quand la femme met au monde, même s'il te donne petit à petit, mais tu as grandi avec son lait. Amen. Tu deviens à 15 ans. À 20 ans, tu vas dire, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est grâce à cette maman que tu es arrivé à 20 ans. Amen. Est-ce que ça, j'ai dit, c'est vrai? Amen. Que tu le reconnaisses ou pas? C'est elle pouvait te tuer? Amen. Amen. Elle pouvait te tuer? Tu es bébé, elle pouvait. Mais beaucoup de choses, c'est mis dans la poubelle. C'est fini. Vous attendez toutes ces choses, mais elle t'a gardé. Peut-être dans des difficultés. Avec des difficultés, elle-même peut-être n'a pas mangé toute la journée, mais elle cherchait pour que toi tu puisses manger ne fût-ce que quelque chose. Amen. Et à 20 ans, tu dis, ah, toi, je ne te connais pas. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Faites attention à ça, frère. Et c'est pareil dans l'église. Tu es en train de venir sur nulle part. Pleura tous les jours, pasteur, ma vie, on priait tous les jours ici. Dès que Dieu l'a béni, hein, il prend la porte. Je vous dis la vérité. Dans les difficultés, ici, c'est moi qui prie. C'est nous qui prions. Nous combattons ensemble. 5 ans après, Dieu le bénit. Allez, il trouve un autre pasteur. Alors vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Mais de toute façon, qu'ils sont reconnus, vous devez savoir que vous êtes sortis de là. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Frère,
jour que vous avez mangé, mais c'est un jour qui est passé. Ce jour-là, tu ne vas pas encore manger. Dis amen à ça. Amen. Même si hier tu as mangé le pondou, ah, c'était mauvais, et qu'aujourd'hui tu manges de la viande. Mais le pondou d'hier, c'est ce qui a fait que tu arrives. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas ça. Il sort ici. Vous comprenez, est-ce que les gens comprennent? Je ne sais pas. Vous êtes avec moi? Je vais terminer. J'arrive ici. Il dit, ils ont choisi un homme selon leur pensée. Ils ont refusé celui que Dieu leur donnait. Mais Samuel les a posé la question, je vous ai déjà escroqué. J'ai déjà pris votre femme. J'ai déjà pris vos enfants. Et or, pourtant, ces choses ici, c'est un droit. Il y a des fois, il y a des gens qui prennent ces écritures et qui agissent. Amen. Amen. Et Dieu lui a donné, là, il dit, je peux. Vous attendez des choses qui se passent dans des églises. Vous entrez dans l'église. Frère, tu viens de membre de cette église, ta femme, tes enfants, tout est bien au pasteur. Et ils ont des écritures là-dessus. Je vous dis la vérité. Et le pasteur fait de ça ce qu'il veut. Hein? Ici, au Burundi, ici, il y a une église qui est tentée dans la forêt. C'est comme ça. Pas une église dénominationnelle. Qui a déjà entendu ça? Des messages. Une église de quoi? Du message. Tu viens avec ta femme. Parce que, voilà ma femme. Quoi? Parce que la Bible dit que vous devez goût à celui qui vous a. Hein? Qui vous enseigne. Et les gens aiment les hommes comme ça. Voilà. Ils aiment les hommes comme ça. Tout. C'est le passé qui dirige. Cette fille-là, le passé fait de ce qu'il veut. C'est son droit. C'est ce qu'il veut. Mais les hommes humbles, celui que Dieu vous a mis là, vous ne le voulez pas. Vous êtes avec moi? Vous voulez un dictateur qui viendra vous dire, bon, vous, toutes les sœurs ici, ce week-end ici, j'ai un anniversaire aujourd'hui, et donc, chez moi. Vous allez préparer tout. C'est un droit aussi, vous savez. Mais nous ne le faisons pas. Je réquisitionne tous les frères ici, frère. J'ai un jardin à faire là, tous les frères, venez. Allez, labourez. C'est mon droit. Ah, oui. Mais nous ne le faisons pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, oui. Et les gens prennent les critiques de Paul. Certains. Demain, moi, je viens au Maroc, tu viens avec moi. Son mari est là, il dira. Ah oui? Et ils prennent, ils partent. Hein? Ils disent, non, c'est Paul, il partait, il prenait des sœurs et il partait avec eux. C'est écrit dans la Bible. Ils agissent à leur manière. Et les gens aiment des hommes comme ça. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu vous donne un homme humble, remerciez Dieu. Amen. Hein? Remerciez Dieu. Et Dieu, voyez-vous? Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. On aime choisir des gens comme cela. Nous aussi pour qu'ils dirigent nos églises. Qu'ils dirigent l'église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça. Mais je veux simplement faire ressortir ceci. Ce n'est pas, ce n'était pas et ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Quand ça devient comme ça, ça devient la dictature. Amen. Amen. Mais un vrai pasteur dirige par rapport à quoi? À la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu le dit ainsi, nous faisons ainsi. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Nous voyons donc que ce fils de Kis, c'était un homme imposant, nous le savons. Voyez-vous? Et c'était triste à dire. Mais comme c'est vrai aujourd'hui, l'église est comme ça. Il aime dire, notre pasteur n'est pas un homme borné. Vous voyez, n'est-ce pas? N'est pas un homme borné, c'est un grand homme. Il est diplômé de Harvard. Non, je connais bien l'anglais. Il sait bien s'exprimer en français, en latin. Ou une grande école de théologie. Frère, c'est... Vous avez ça à lire chez vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen.
Voyez, il a 4 diplômes de telle et telle et telle école. Et il a beaucoup d'intention. Voyez-vous. Tout ça, c'est peut-être très bien. Et ça, à sa place. Mais la manière de Dieu, c'est que son église soit conduite par le Saint-Esprit. Ayez vos diplômes. Mais vos diplômes, les gens comprennent. Fait, on ne vous dit pas de ne pas étudier. Non. Beaucoup de gens pensaient que Branham était pour l'ignorance. Non. Parce que sinon, il n'allait pas envoyer ses enfants à l'université et toutes ces choses. À l'école, pardon. Dites amen à ça. Non. Vos écoles là que vous faites, c'est pour les vendre. Cela a sa place dans le monde. Dites amen à ça. Amen. Tu auras 5 000 au lieu de 2 000 comme les autres. Toi, tu as un diplôme universitaire, tu auras 5 000. Amen. Amen. Pour les vendre. Mais nous l'avons entendu, le mercredi, frère disait quoi? Quand Dieu te bénit dans le monde, qui avait capté ça? Quand Dieu te bénit dans le monde, tu vas faire quoi? Amen. Dis amen où? Amen. Si tu as quelque chose de Dieu en toi, Dieu nous bénit, c'est vrai. Il peut te bénir dans le monde. Mais quand Dieu te bénit dans le monde, tu amènes où? À l'église. À l'église. Remarque que toi, même la dîme, tu ne payes pas. Est-ce que vous imaginez, vous voyez comment qu'est-ce qui est en vous? Si tu ne payes pas la dîme, comment tu vas donner la cotisation? Parce que la dîme, c'est une obligation. Tu ne payes pas. Quand on va dire, frère, nous avons besoin ici, nous voulons acheter une maison. Donnez, selon ce que Dieu vous mettra. Tu ne donneras pas. Quand on va dire, voyez, nous avons une petite fête, nous allons organiser, alors que chacun donne. Tu ne donneras pas, parce que là-dedans, il n'y a rien. Amen. Il dit, quand il vous donne là dans le monde, amenez où? Amen. Parce que nos trésors sont cachés là aussi. Amen. Ici, tu peux le mettre dans la banque, mais la ruine va le surprendre. Il t'amène à ça. Amen. Oh non, moi j'investis. Vous investissez. Ah! La meilleure place pour investir, c'est où? Dans le royaume de Dieu. Amen. À l'église. Vous n'avez jamais entendu, bon, ici à l'église, c'est déjà arrivé, qu'on arrive que là, la banque, le caisse d'épargne, là, c'est fini, il n'y a plus rien. Et les gens, ils perdent l'argent. Dernièrement, au Congo, j'étais là au Congo il y a 2 semaines. Oui. Hein, vous étiez là. La banque, bien, faillite. Wow. Et les gens étaient dans le bon, la gagne, bon argent, bon exacté. Tu vas aller accuser où? Et tu vas accuser qui? Ah oui. Mais quand il le met là, où l'atteigne et la ruine n'atteigne jamais, alors tu récupéreras tout ce que tu as vu. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne veulent pas ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et dit, voyez-vous? C'est triste, mais c'est vraiment aujourd'hui l'église est comme ça. Vous voyez, nous voulons ceci, nous voulons telle ou telle école. Il a ceci ou cela. Mais la manière de Dieu, c'est que son église soit conduite par le Saint-Esprit et par son esprit. Mais ils aiment dire, nous sommes membres de cette grande dénomination-ci. Nous avons commencé il y a longtemps du temps, donc des pionniers. Quand nous étions une minorité, seulement une toute petite poignée de gens, peu nombreux. Et maintenant, nous nous sommes développés au point que nous faisons partie des dénominations les plus importantes. Nous avons les meilleures écoles et les prédicateurs les plus instruits. Dieu n'a jamais envoyé l'église pour aller construire des écoles. Il t'amène à ça. Amen. Dieu n'a jamais envoyé. Dans quelle Bible vous voyez ça? Il a dit à Paul, Paul va construire une église, une école secondaire là-bas. Vous êtes avec moi? Amen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de papier, frère. Ça n'existe pas. Il dit, Dieu n'a jamais envoyé son père, son église d'aller faire des écoles. Bon, il trouve une raison. Il dit, non. Dans ces écoles-là, ils obligent à nos enfants à porter des mini-jupes. Dans ces écoles-là, on les enseigne tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Mais on découvre que, frère, laissez à César ce qui est acquis. À César. Et à Dieu ce qui est acquis. Amen. Amen. Jamais, jamais, jamais imiter le monde. Maintenant, j'apprends que tout le monde, tous les passés sont devenus
des hommes d'affaires. Hein? Promoteurs des écoles, de ceci ou de cela. Tout ça, voyez-vous, c'est bien pour le monde. Mais ce n'est pas pour l'église. Amen. Dites amen à ça. Un, l'église, son travail, c'est d'apporter l'évangile. Amen. La bonne nouvelle. Amen. Et frère madame dit que les catholiques, ils ont commencé à construire des écoles, des hôpitaux. Pourquoi? Pour attirer les gens. Ah, parce qu'ils ne croient plus. Parce qu'ils ont échoué. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et je vous dis la vérité, le prophète est venu parce que m'a dit, parce que c'est qui qui parle. Amen. Ils ont conçu des écoles. Ils ont conçu des hôpitaux parce qu'ils ont échoué. Amen. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a jamais dit d'aller construire des hôpitaux. Amen. Non. Non, non. Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont des polycliniques. Je vous dis la vérité. Exactement. Des pasteurs aujourd'hui, ils ont des polycliniques. Polyclinique, là donc, c'est tout genre de matériel, fièvre, tous les services, tout. Polyclinique, donc des labos et tout. C'est l'échec qui a fait ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La vraie éducation, c'est à l'église. Amen. Voilà pourquoi on vous dit amenez vos enfants où? À l'école des dimanches ici. Amen. Venez avec eux ici. C'est ici qu'ils vont apprendre la vraie éducation. Amen. Ça commence d'abord à la maison et ensuite amenez vos enfants à l'église. Amen. C'est ce que Branham dit. Dit amen à ça. Amen. Une vraie mère, amen, même si tu dois passer des nuits entières, prie pour que ton enfant vienne à l'église. Amen. Dit amen à ça. Amen. Dites-les, tant qu'ils sont mineurs, amenez-les. C'est vos enfants. Parce que tant que les enfants sont mineurs, Dieu vous demandera des comptes. Et toi qui connais les bons chemins, tu dois l'empêcher d'aller dans de mauvaises voies. Dites amen à ça. Amen. Mais s'il devient adulte, alors c'est seulement les genoux par terre. Seigneur, souviens-toi de mon fils. Seigneur, souviens-toi de ma fille là-bas. Seigneur. Mais quand ils sont mineurs, amenez-les où? Parce que là, ils apprendront. Et même quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront jamais. Dites amen à ça. La vraie école, c'est l'église. Ce n'est pas des écoles secondaires. Oh, vous construisez des écoles secondaires, mais vous attendez des choses terribles. Elles ont des gîtes jusque-là. Mais dedans, chaos. Hein? Je vous dis la vérité. Non. Les Arabes que vous voyez, ils ont aussi des jupes jusque là. Est-ce que vous savez ça? Moi, j'ai travaillé avec eux. Vous savez ça, ce que j'ai fait ici? J'ai presque 15 ans, j'étais animateur de jeunes ici. Dans l'alphabétisation et dans l'animation des jeunes. J'avais moi-même une maison de jeunes. J'ai passé à la télévision ici. La télé Bruxelles ici, de Bruxelles ici. Moi, j'ai passé là. On me posait des questions tous. Des Charons ici, parce qu'ils ont grandi aujourd'hui, ils étaient des petits. Mais vous savez quand même ça. Hein? On passait à la télévision. De Lévi, là. Il est déjà passé à la télévision. Il était petit comme ça. Il tapait tout. Hein? Je connais. En jupe longue. Dedans, c'est une autre personne. Amen. Je ça vous c'est dis vrai. La vérité. De longues jupes, ça ne veut rien dire. Amen. Mais il faut que votre vie soit conforme à la parole. Amen. Beaucoup se cachent avec ça. Amen. Donc, c'est là, je ne veux pas dire galère, mais ne mettez pas de longues jupes. Mais quand vous mettez de longues jupes, soyez un exemple. C'est manifester la vie chrétienne. Amen. Parce qu'ils ont des longues jupes. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, il y a des enfants. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. En longues jupes. Dedans. Ça va. Dehors là. Même si tu la vois, ne dites pas bonjour. Ils sont comme ça. Elle ne te connaît pas. Ah, la sœur a confirmé. Oui, moi, j'ai travaillé avec eux. Ici, dedans, dans le bureau, nous travaillons, nous sommes collègues, on travaille très bien. Dehors, n'essayez pas. N'essayez pas. Bonjour, Samuel.
Je t'ai regardé avec l'air d'un, tu comprends? Parce que, et ils ont peur même de leurs frères. Et ils sont censés aller aussi dans le mariage vierge. Ils peuvent tout faire comme vous voulez. Tout. Je vous dis la vérité. Avec des longues jupes, il peut aller en mariage vierge, mais il n'est pas vierge. Amen, amen. Dites amen à ça. Il n'est pas vierge. Derrière, là. Donc, il te donne tout ce que vous voulez, mais non. Parce que moi, je dois aller en mariage. Et dehors, quand il la voit, ne dit pas bonjour. Tu passes ton chemin. Elle ne te connaît pas. Parce qu'ils ont peur des représailles. Parce que nos collègues, nos frères musulmans, les cousins. Quand il, même s'il n'est pas ta soeur, mais quand il te voit que tu parles avec un étranger, un noir, un flamand, et tout ça, c'est, oh, qu'est-ce qu'il fait avec cette sale flamand? Avec ces sale flamand, avec ces noirs, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça leur problème. Après, il t'a fait le cousin, bonjour. Il nous aime pas. Mon ami, faites attention. Donc, je disais que la mission de l'église, ce n'est pas des écoles, ce n'est pas des hôpitaux, ce n'est pas toutes ces choses, c'est d'apporter quoi? L'évangile. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et bien alors, les hommes ont choisi, j'ai fini par ici, s'il vous plaît. Il est quelle heure? 13h30. Nous sommes dans les temps, donc je n'ai pas dépassé, mais j'ai fini. Oh, parce que c'était un enseignement. Nous allons continuer cet enseignement. C'est la série de l'adoption. Allez chercher ça. Lisez déjà avant de venir à l'église. Hein, soyez dans l'esprit. Comme ça, vous allez comprendre bien des choses. Parce que pour arriver à l'adoption, pour connaître qui vous êtes, vous devez savoir toutes ces choses. Vous devez savoir comment un enfant se comporte. Comment une femme mariée se comporte. Comment un mari se comporte. Comment? C'est ça, n'est-ce pas? Comment un huissier? C'est... Beaucoup de choses, frère, on dit. Vous voulez qu'on vous dise tout? Frère, madame dit ceci. Quand on t'engage comme comptable, et le chef te dira que ton travail c'est de faire ça, 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 mais certaines choses c'est toi-même qui les prends en lisant des livres. On t'engage comme infirmier, donc on ne vous dira pas tout. Tout le reste des choses, toi-même, tu apprends par des expériences. Que ici, 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 c'est comme cela. On t'engage un huissier. Tu dois lire. Qu'est-ce que le prophète dit au huissier? Le pasteur ne te dira pas tout. On t'engage comme diacre. Tu dois savoir quel est le travail du diacre. On ne dira jamais tout ici. Tu dois lire. Tu dois prier. Et tu découvres. Ah, un diacre peut faire ça. Un diacre peut faire ça. Concierge. Tu es un concierge. Tu dois lire. Tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est que Dieu a dit? Le message dit pour un concierge. Toi-même, on ne te dira pas tout ici. Dis ta mère à ça. Amen. Parce que le policier, quand il est engagé, on ne dira pas que quand tu vois même si tout ça, non, il fait le travail d'un policier. Mais il y a des choses qu'il fait qu'on lui a jamais dit là. Il regarde que c'est hors la loi, il le fait parce qu'il par expérience. Dis ta mère à ça. Amen. Je donne l'exemple. Bon, je ne parle pas du mal de mon frère Paul. C'était un concierge. Frère madame dit le concierge. À l'époque, quand ils ont pris des concierges dormaient à l'église. C'était une maison à l'église, il était comme une sentinelle. C'est le premier à ouvrir, à arriver. C'est le dernier à faire quoi? À partir. Parce qu'il faut que tout le monde sorte. C'est lui qui a les clés. C'est ça, un concierge. Dis ta mère à ça. Quand les hommes, ils ont fait tout est fini, ok. Concierge, tout est bon, il regarde les lumières, il regarde les chauffages, de l'eau qui coule quelque part, il n'y a rien qui reste pour ne pas, pour éviter le gaspillage, tout est en ordre, il ferme la porte. Lui, il sort toujours en dernier. Mais la première personne qui arrive aussi, c'est le concierge. Parce que les gens ne peuvent pas être là, venir dehors, et la porte est fermée, la porte n'est pas ouverte. Il t'amène à ça? Amen. C'est ça, et tout ça. Il y a des fois, ce n'est pas qu'on doit vous le dire. Vous devrez lire là ce que Branham dit. Et c'est pareil pour chacun de nous, pour chaque tâche. Dites amen à ça. Lisez ce que je vous dis ici à la maison. Allez lire. Venez, lisez déjà. Quand nous viendrons ici, ça sera déjà. Hein? Ça va partir comme si vous êtes avec moi. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que nous avons dit aujourd'hui? Le roi rejeté. C'est ça? N'est-ce pas? Et
pourquoi c'était un roi rejeté? Parce que les gens ne voulaient pas de lui. En fait, les gens ne voulaient pas la conduite de Dieu. Les gens ne veulent pas la conduite de Dieu. Les gens veulent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ah, il y a un pantalon, ça va. Ah, qu'ils viennent avec des mèches, donc les patients ne disent rien. Donc, qu'ils viennent avec des cigares, qu'ils mangent en église, les patients ne disent rien. Alors, on sera quelle église? Nous, nous avons des principes. Il t'amène à ça? Amen. Nous avons des principes. On ne chuchote pas dans l'église. On ne marche pas dans l'église. On ne se passe pas des papiers dans l'église. Quand vous avez un papier à faire, nous avons des huissiers. Appelle le huissier, tu donnes au huissier. On ne dessine pas à l'église. Amen. On est à l'église, pendant qu'on est en train de prêcher. Et vous laissez les enfants courir par-ci, par-là. Fait, nous sommes dans l'église de Dieu vivant. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous parents, gardez vos enfants. Mm. Et quand vous voyez un enfant, vous les huissiers, votre devoir, c'est de remettre ces enfants en ordre. C'est ça la parole de Dieu. Donc, nous venons ici pour devenir des meilleurs parents, amen, des meilleurs maris, des meilleures épouses, des meilleurs enfants, des meilleures mamans, des meilleurs papas, amen, des meilleurs frères et soeurs. Amen. On va s'entraider entre nous. Le but, parce que nous avons un voyage à faire. Nous sommes en marche pour l'éternité. C'est pour l'enlèvement. Et nous ne venons pas ici pour vous. Il t'amène à ça? Amen. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Les gens ne veulent pas un homme qui est humble. J'ai parlé des citations au Branham, on parle de ça. Nous en irons prochainement. Les gens, quand ils voient un pasteur qui est trop simple, et les gens commencent à lui malmener, à faire de n'importe quoi. Non, frère. Vous devrez respecter votre pasteur. Vous devrez respecter comme vous respectez votre père. Dites amen à ça. Amen. Parce que votre pasteur, c'est votre vrai père. Et c'est ainsi. Nous verrons que ils n'ont pas voulu ce que Dieu voulait, mais il y a eu des conséquences. Et nous voulons éviter que des choses qui sont arrivées. Parce que la Bible dit que ce qui est écrit, c'était pour nous donner comme un exemple. Amen. Que nous, on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs que eux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier.